Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, je vais faire une petite vidéo pour les signes du mois de novembre. J'augmente le son, j'espère que tout le monde m'entend, qu'il n'y aura pas de problème de son. On y va. Alors, quel est le signe qui sera effectué là maintenant tout de suite? Les Verseaux. Voilà, alors c'est parti, un message important. Pour les Verseaux, je vais mettre ça comme ça. Comme ça, vous voyez peut-être. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais bon, bref. J'espère que vous allez bien, mes petits Verseaux. Il est 9h du mat. C'est le commencement d'une première journée, donc c'est parti. J'espère que vous allez bien, de bon matin. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui me suivent depuis le début. Mes petits Verseaux, pour moi, il y aura une élévation. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, mes petits Verseaux. Donc, un message important pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Que va-t-il se passer pour eux pour novembre 2019? Merci, merci, merci. C'est parti, n'hésitez pas à avancer, c'est quand je mélange les cartes pour aller plus vite. Alors, on me dit qu'il y aura une distance, un éloignement face à une signature, des contrats, ce genre de choses. Hein. On me dit, ouais, vous allez faire un choix par rapport à des contrats, mes petits Verseaux. Donc, soit vous allez être dans la réflexion, réfléchir, qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont les actions, les décisions et les possibilités. Reprendre un équilibre, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, et vous allez effectuer un choix. On me dit qu'en fait vous êtes dans une certaine dépendance face à cette signature. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, rapidement, en écoutant vos intuitions et vos ressentis, on me dit que vous ferez un choix à travers un rendez-vous, une invitation, un entretien pour d'autres. Après, vous prenez comme ça vous parle, dans le domaine qui vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être sentimental comme professionnel, même lié à un projet pour d'autres. On me dit que rapidement, il y a quelque chose qui va arriver par rapport à une signature et des contrats. Après, la signature et les contrats, ça peut être professionnellement, bah, tout ce qui est contrat et signature, hein, voilà. Réfléchir par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à cela? On me dit qu'il y a peut-être une dépendance face à ces contrats et ces signatures. Peut-être que vous êtes aussi dans la réflexion de ce que vous voulez faire, de ce que comment vous voulez avancer. Pour d'autres, liés au sentimental, il est peut-être question de mariage, signature et contrat par rapport au mariage, ou l'engagement, le rapprochement par rapport à quelqu'un. Mais là, on me dit que justement, vous êtes dans la réflexion. Vous allez être dans le choix à effectuer face à une distance, grâce à cette distance et cet éloignement que vous allez prendre pour réfléchir. Parce que pour vous, il y a une dépendance, une certaine dépendance, parce que vous le savez. On me dit, vous écoutez vos ressentis, vos intuitions, il y a un rendez-vous important qui arrivera, une invitation, ce genre de choses, qui vous permettra d'effectuer un choix. On me dit que c'est en chemin. C'est en chemin et que du coup, ces signatures et ces contrats rapidement vont amener de l'argent ou quelque chose lié au financier. Ouais, et du coup, lors de ce rendez-vous important, vous ferez un choix qui va vous éclairer, qui va vous permettre d'avancer. Du coup, ça vous apportera de l'abondance. Après, l'abondance n'est pas obligatoirement matériellement. Enfin, vous voyez, c'est pas obligatoire que l'abondance ce soit matérielle. Ça peut être de l'abondance en amour, donc en sentimental, recevoir de l'amour, recevoir des paroles positives, recevoir des choses, des messages, réunir des gens, enfin, ça peut être de l'abondance aussi, vous voyez. Mais là, on me dit que du coup, il y a des choses qui sont en chemin, vous allez recevoir de l'abondance qui va vous réellement vous faire plaisir. Pour d'autres, on me dit que vous allez recevoir de l'abondance au niveau du sexe aussi. Je préférais vous le dire. On me dit aussi que pour. Là, en fait, cette carte est liée aussi
à tout ce qui est financier et matériel. Donc pour certaines personnes, il sera question de matériel et financier. Mais clairement, là, il y a des choses qui arrivent pour vous, hein, mes petits Verseaux. Donc c'est top, ça va vous faire plaisir. Ça va être même inattendu, hein, et soudain pour vous. Et en fait, ça va tellement vous faire plaisir que bah, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez rester dans le silence. Vous n'allez pas le dire, vous n'allez pas le dévoiler, parce que de peur peut-être qu'on vous porte l'œil, ce genre de choses. Vous avez raison. Protégez-vous, vous avez bien raison. En tout cas, on me dit qu'il y aura, je vais relire autrement, qu'il y aura une distance, un éloignement. Aussi par rapport à une dépendance soit professionnelle, soit affective, sentimentale, ou liée peut-être à des médicaments pour d'autres. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en chemin par rapport à ça pour vous éloigner, et du coup, ça vous apportera réellement de l'abondance par rapport à justement cette dépendance. On me dit qu'il y aura des signatures et des contrats. Ça va arriver rapidement, que c'est lié au financier, au matériel. Donc écoutez vos ressentis et vos intuitions face à cela, parce que clairement, ça va vous faire plaisir. Et vous, ce que vous allez faire, c'est de ne pas en parler. Là, on nous parle de silence, parce que vous allez garder ça pour vous, en tout cas pour l'instant. Vous ferez un choix face à ce rendez-vous, à ces invitations, à ces entretiens pour d'autres, et du coup, cela va vous éclairer, hein, va vous permettre de vous illuminer. Va vous ramener de la chaleur, du soleil. Et ça va être inattendu et soudain pour vous. D'accord? Et tout ça, en fait, va vous permettre de vous élever. Donc ça, c'est la première carte que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, je l'ai vue, en fait, elle n'est pas tombée. Mais je vous ai dit dès le début qu'il y aura une élévation positive et bénéfique pour vous. Donc là, clairement, on vous conseille même, si vous êtes quelqu'un qui parlait, qui aimait dire ce qui se passe dans votre vie, ce genre de choses, on me dit... Bah, pour vous élever, restez silencieux. Ça évitera les jalousies, les médisances et ce genre de choses. D'accord? Protégez-vous. Okay. On me dit clairement pour certaines personnes qu'il y aura une élévation positive et bénéfique concernant un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne vous et un homme. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez du passé et il sera dans votre futur. Pour d'autres aussi, on me dit qu'il y aura une élévation concernant un homme de votre passé, peut-être dans tout ce qui est santé, professionnel, hôpitaux, ce genre de choses. On me dit que ça va être long, ça va se faire petit à petit, mais cet hiver, il y aura un rapprochement de vos convictions. Vous allez vous rapprocher de ce que vous souhaitez faire, ce que vous désirez, vous allez vous rapprocher d'une personne, vous allez vous rapprocher de vos convictions. Et ça va vous mener vers une nouvelle voie, quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Hein. Donc c'est cool. Ouais, on parle d'éloignement, d'une situation où de s'éloigner, prendre de la distance. Et il y aura des appels téléphoniques concernant une femme. C'est comme si une femme va vous apporter des surprises, un cadeau, et vous allez entreprendre quelque chose. Pour d'autres, on me parle que bah, du coup, vous allez entreprendre, bah, peut-être que pour certaines personnes en octobre, parce que là on parle de octobre, novembre, décembre, il est possible que des personnes ont tourné le dos, ou qu'elles vont tourner le dos à une situation professionnelle peut-être. Là, parce que là j'ai la guitare, ou tourner le dos à quelque chose qui est lié à tout ce qui est musique, tout ce qui est projet, ou un projet parce que peut-être que... Vous êtes perdu, mais justement, gardez confiance. Gardez confiance car de nouvelles portes s'ouvrent à vous. Il y a la lumière. Donc, n'ayez pas peur, gardez confiance. Et répétez chaque jour les affirmations positives. Ok, je continue, mes petits anges, avec... Oracle de la triade. Ah, on dit que vous avez eu ou vous avez des épreuves à surmonter. Donc, vous en faites pas parce que ces épreuves vont vous permettre une fusion, un partenariat, une association. Et du coup, ce sera un nouveau cycle pour vous.
important, un message important pour tous mes Verseaux, signe lunaire, ascendant, signe solaire, en novembre 2019. Qu'a-t-il se passé pour vous? On parle de lumière, mes petits anges, pour vous. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a une espèce d'engagement, fusion, partenariat, et que peut-être vous avez l'impression que ça a été une erreur pour vous. Et du coup, vous avez beaucoup de doutes, vous vous posez énormément de questionnements. Et vous, ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est de recevoir des nouvelles, des messages, des choses qui vont pouvoir vous élever au-dessus. Vous élever positivement et bénéfiquement. Mais on me dit que vous êtes protégé face à cette fusion, à ce partenariat, à cette association, cet engagement. Et en fait, vos doutes et vos questionnements vont vous amener vers la tentation de quelque chose de nouveau, je ressens, pour retrouver un équilibre, surtout pour votre âme et vos énergies. Donc, clairement, après, pour certaines personnes, il est possible que vous, en faisant un soin énergétique, ça pourra débloquer certaines choses, parce que là, on parle de retrouver l'équilibre avec vos énergies, retrouver l'équilibre face à vos énergies dans votre âme. Donc faites un soin énergétique, n'hésitez pas si vous souhaitez en faire un. Je connais une personne de confiance qui pourra vous l'effectuer à distance. D'accord? Je vous donnerai ses coordonnées par mail, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des tentations dans vos énergies et que ces tentations arrivent à cause de vos doutes et vos questionnements. Du coup, ça vous provoque des blocages. Mais vous, le plus important, c'est que vous êtes protégé, vous vous protégez. Il y a quelqu'un dans l'au-delà qui vous protège. On me dit que vous recherchez l'équilibre et surtout grâce à l'équilibre, grâce à des nouvelles, des messages. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un travail, par rapport au professionnel, d'autres par rapport à une personne, ou peut-être vous pensez qu'il y a eu une erreur. Bon, voilà, on me dit que vous êtes un peu dans l'attente. Mais du coup, éloignez-vous. En prenant du recul, en vous éloignant, en prenant de la distance, on me parle de paix et de sérénité pour vous. D'accord? 3, 4, 5. Alors le chiffre 5 me parle beaucoup pour vous, mes petits Verseaux. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, ah ouais. J'ai une, deux, trois, quatre fois le chiffre 5. Donc, regardez sur Internet la signification du chiffre 5 exact pour vous donner un message. Je pense qu'il y a un message ici parce qu'en plus j'ai la carte du message, des nouvelles, des informations de l'au-delà aussi. Donc ça peut vous aider. On me dit que vous allez apprendre des choses. C'est comme si vous aviez des épreuves à effectuer et que derrière il y avait la lumière. Mais il y a quand même une richesse qui arrive à vous. Désolé, mon téléphone, j'ai oublié de le couper. Mais vous, bon, il y a une richesse qui arrive à vous. Mon téléphone a sonné, donc c'est pour moi une des nouvelles qui va arriver. Bon, il y a la lumière qui arrive pour vous. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre pour certaines personnes. Ok, je continue avec les autres cartes. En tout cas, la lumière est là. Donc. Ouais, on parle de grande sagesse, d'humilité, ce genre de choses, mes petits Verseaux. Bon, attendez, je vais couper parce que là. Ok, super, désolé. Écoutez peut-être. Dring, ça sonne, écoutez. Ok, un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo Verseau, ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de novembre 2019. Que va-t-il se passer pour mes petits anges? Merci. Les détails. Waouh. Bah écoutez, je vais le dire comme ça. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des graines qui ont été plantées. Pour vous, mes petits Verseaux. C'est comme si vous aviez planté des petites graines et qu'elles allaient évoluer petit à petit, qu'elles allaient germer, grandir avec le temps. D'accord? J'ai l'impression même qu'elles vont grandir avec le temps, mais grâce à des décisions qui vont être prises. Et du coup, ça permettra la fécondité d'un nouveau projet, de la fécondité, la naissance de quelque chose de nouveau. En plus, on parle d'hérédité. Hérédité, c'est peut-être lié à la naissance ou à la grossesse pour certaines personnes.
D'accord? On me parle que ceci va être un amour inconditionnel, va vous apporter un amour inconditionnel, un amour des sentiments forts et partagés. Qu'il y aura une décision par rapport à cet amour. On parle vraiment de naissance de quelque chose de nouveau. Que vous allez, en fait, il y a quelqu'un, quelque chose qui va éclore et que du coup, ça va venir petit à petit vous diriger vers une maison, vers la lumière, vers quelque chose de nouveau. C'est génial. On me dit qu'en tout cas, ceci va vous amener une évolution positive. Vous allez gravir les échelons, vous allez monter les escaliers petit à petit, vous allez aller vers le soleil. On parle peut-être d'un temps de 9 mois approximativement, plus ou moins, des choses qui se font petit à petit. Donc, lâchez prise, réfléchissez, méditez, ça vous apportera vraiment du positif. Me dit qu'il y aura pour certaines personnes des choses qui vont grandir face à l'amour et surtout à la sexualité. Ces choses-là vont vous faire du bien. On me parle de passion, de fusion entre vous. On me dit qu'il y aura une décision qui va être prise face à un nouveau projet ou la naissance ou la grossesse de quelque chose de nouveau. Et on me parle de retour. Il y a quelque chose qui revient. Peut-être concernant une triangulaire pour certaines personnes. Par rapport peut-être à des accusations, des décisions ou en tout cas le verdict, un choix qui va être fait par rapport à des désaccords qu'il y a eu ou qu'il va y avoir. En tout cas, clairement, il y aura une évolution positive par rapport à ceci. Il y a des choses qui vont bouger. On me dit aussi qu'il y aura peut-être une évolution par rapport à la musique, un projet là. La naissance dans quelque chose de nouveau dans la musique pour certaines personnes. Un nouveau projet peut-être pour d'autres lié à tout ce qui est plantes, fleurs, forêts, épices, tout ça. Réellement, vous allez avoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être même que je ressens le poisson, signe poisson, signe d'eau, mais aussi l'argent. Quelque chose qui grandit par rapport à l'argent. C'est comme si vous alliez tourner une page, vous allez prendre une décision et que ça va vous faire grandir par rapport à l'argent, tout ce qui est financier et matériel. Oh, c'est génial. Ouais, il y a vraiment la clé pour vous. La clé, la solution. Même derrière, je vois en fait une maison, le foyer. Il y a quelque chose qui va grandir au foyer. Peut-être que ça va grandir au niveau du nombre de personnes, grandir pour faire grandir la maison. Il y a quelque chose qui arrive face à la maison, au foyer. Ça peut être aussi au mur, par rapport au professionnel, dans le professionnel. Il y a vraiment la clé, la solution qui arrive pour vous. Super. En tout cas, c'est très positif, mes petits anges. Gardez confiance en vous, d'accord? Allez, un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, signe lunaire, signe solaire et ascendant Verseau pour novembre 2019. Merci. Ah, j'aimerais vous dire, toutes les personnes qui commentent. Les vidéos, ah oui, c'est un petit aparté parce que j'ai eu des commentaires, moi je l'ai vu ce matin à 3 h du mat, c'était marrant. Mais toutes les personnes qui commentent mes vidéos, enfin en tout cas je parle d'une personne en particulier, et qui dit que justement toutes les vidéos ne lui parlent pas, que c'est du fake, que allez regarder je sais pas quoi pour vous montrer que c'est faux, tout ce que je raconte, enfin bref. Bah en fait déjà, d'une, évitez de regarder toutes les vidéos sur ma chaîne, parce que je pense que vous n'êtes pas tous les signes du monde. Et puis passez votre chemin, d'accord? Moi, pour moi, cette personne, ou en tout cas, il y a des personnes qui posent des commentaires comme ça, bon, c'est rare. Et encore merci, je remercie l'univers pour toutes les personnes et tous les commentaires positifs que j'ai eus sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, cette personne, pour moi, est. Bah, je l'ai ressenti très mauvaise, très négative. Et du coup, j'ai effacé les commentaires parce que, en fait, pour moi, ça pollue. En fait. Vous voyez, c'est des personnes nocives qui polluent. Et du coup, bah, les éloigner pour que justement, ça évite de vous ramener des problèmes.
Donc, ce genre de personne, passez votre chemin et allez plus vers la lumière, justement. Je vous envoie en tout cas à toutes ces personnes plein de positif et beaucoup d'amour et plein de belles choses. Voilà, c'était petit aparté. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui répondent à ces commentaires en positif. Pour moi, c'est très très gentil. Merci. Alors, bref. Ah oui, deuxième chose, désolée si j'ai oublié des gens, des consultations ou des tirages personnalisés, vraiment. Des fois, il y a des mails que je ne reçois pas, sans doute, ou des choses que je ne vois pas parce que j'ai énormément de consultations. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer des messages ou des mails pour me rappeler si jamais il y a eu un oubli ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, sachez que je réponds à toutes mes consultations, peut-être qu'il y a un peu de temps, mais voilà, je réponds toujours à mes consultations, aux personnes qui m'envoient des messages et des mails. Et j'essaye le plus rapidement possible. Donc voilà, ça c'était petit aparté, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Bon, bref, pour les Verseaux, on dit qu'il y a quelque chose lié au travail et on parle de quelqu'un de fidèle lié au travail. Peut-être que aussi pour d'autres, il y a beaucoup de travail qui a été effectué pour arriver jusqu'à quelque chose qui vous est fidèle aujourd'hui, vous voyez? On me dit écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions parce que ça va vous mener à quelque chose de libéral. On me parle de profession libérale. On me dit que ça va vous amener quelque chose au niveau de la santé, au niveau de tout ce qui est peut-être hôpitaux, ce genre de choses, que vous allez vraiment trouver des solutions et des éclairages par rapport à cela. Je ne sais pas si le chiffre 22 vous parle. Toutes les personnes aussi qui ont peut-être une année de naissance double, genre 22, 33, 88, 77, ce genre de choses. Peut-être que c'est un message pour vous aussi. On me dit clairement que vous avez des doutes sur ce que vous aimez par rapport au travail que vous avez effectué. Mais vous en faites pas, il y a de la lumière qui arrive pour vous. On me dit que vous allez prendre de la distance. Parce que vous allez écouter vos ressentis, vos intuitions. Et on me parle de la fin de quelque chose qui arrive là très rapidement. On me dit que en fait vous allez vous éloigner de quelque chose pour juste et en négociant, en faisant des compromis, ce genre de choses, d'accord? Vous allez trouver des solutions qui va vous apporter justement de la paix et de la sérénité. Peut-être pour des gens, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne vous et une femme. Il y a la fin de quelque chose par rapport à une femme. Peut-être si vous êtes une femme, ça concerne une femme dans le professionnel ou sentimental, peu importe, vous prenez comme ça vous parle. Mais il y a des choses qui vont s'envoler, s'éloigner. Surtout cet hiver. Ça va être inattendu pour vous, il y aura des signatures et des contrats qui vont vous mener à du bonheur. On parle vraiment de quelque chose de fidèle. Ok. Je continue avec les réponses angéliques. Posez une question, mes petits Verseaux. Et mes petites cartes et moi-même, on va vous y répondre. On va y répondre, je dis n'importe quoi. Alors, allez-y. Prenez vos questions de toutes les personnes. Merci, merci. Alors, est-ce que vous avez posé votre question? Parce qu'on me dit oui. Gardez confiance, mes petits Verseaux. Donc, c'est top, c'est de très bonnes cartes, c'est positif. Il y aura des compromis. Une autre question, mes petits anges. N'hésitez pas à mettre pause. Allez, une petite question. Mes anges, s'il vous plaît, répondez à toutes les questions, les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. On me dit il y a quelque chose de mieux pour vous. Mais ça dépend de vous. Désolée, je suis un peu malade. On me dit dans les prochaines semaines. Ça dépend de vous. Donc gardez confiance. Restez positif. Parce que là, quand on dit il y a quelque chose de mieux, c'est que vous êtes peut-être un petit peu dans le négatif. Donc, en prenant une nouvelle direction vers le positif, ça va vous apporter des choses nouvelles et des choses rapidement dans les prochaines semaines. Allez, un message important pour toutes les personnes qui sont célibataires. Merci, merci, merci. On parle d'abondance pour vous, mais célibataires.
Gardez confiance, d'accord? Donc c'est oui, c'est succès, si vous avez posé une question. Pour toutes les personnes qui sont mariées, qui regardent cette vidéo. On me dit, n'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas, affirmez-vous. D'accord? Et il y a quelque chose de mieux pour vous. Restez positif. Pour toutes les personnes qui sont en plein divorce, on me dit, attendez-vous à un signe, un amour romantique. Restez positif. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif qui arrive, lié au sentimental, lié à l'amour. Les personnes qui sont en plein divorce. Un message important pour toutes les personnes qui sont divorcées déjà. On me dit, si vous y croyez, nul besoin de s'inquiéter, oui, par rapport à une question que vous vous posez, à quelque chose que vous pensez. Donc il y a des choses positives qui arrivent pour vous. Un message important pour toutes les personnes qui sont en relation de couple, mais qui ne sont pas mariées et qui ne vivent pas ensemble. On me dit qu'il y aura des compromis, lâchez prise, le moment est idéal. Lâchez prise, gardez confiance, ne restez pas dans l'attente. Pour toutes les personnes qui sont en relation, qui ne sont pas mariées et qui vivent ensemble. Wow. On me dit demeurez positif. Nul besoin de s'inquiéter. Il va falloir vous affirmer, mes petits anges. D'accord? Parce que dans un an, des choses vont arriver. Donc réfléchissez bien et communiquez clairement. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants. Waouh! Donc là, clairement, on me parle d'abondance pour vous, de choses positives qui arrivent. Vraiment, donc restez confiance. Pardon, j'ai dit abondance, mais du coup, confiance. En restant confiante, confiant, de l'abondance va arriver à vous parce qu'on me dit oui. D'accord? Mais il y a quelque chose à pardonner. Donc pardonnez-vous, pardonnez les gens, pardonnez les personnes mauvaises qui ont pu vous faire du mal. Je sais, c'est compliqué, c'est difficile, mais en faisant ça, ça va vous débloquer beaucoup de choses. Maintenant, s'il te plaît, aide-moi à pardonner toutes les personnes qui m'ont fait du mal, maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Et même si vous n'y croyez pas, même si au début vous y croyez pas trop, bah en fait, le fait de le dire, ça va déjà débloquer certaines choses. La situation va s'améliorer. Donc attendez, vous en faites pas. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui vont l'être, un message pour eux, s'il vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre pause. Hein. On me dit, il y a une confiance. Gardez confiance, mes petits anges. Écoutez votre ressenti, vos intuitions. C'est très important pour que vous puissiez évoluer. D'accord? Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête. On me dit, dans un an, des choses vont arriver. Il y aura énormément de résolutions pour vous par rapport à votre projet professionnel. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, on me dit agissez, choisissez une nouvelle direction et il y aura des occasions favorables pour vous. Donc choisissez une nouvelle direction et c'est ainsi que des occasions favorables arriveront. Pardon. Et du coup, agissez. Agissez. Ok, agisseur, j'ai oublié personne. Pour toutes les personnes qui... Je pensais au triangulaire. On me dit affirmez-vous. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, un message important pour eux. On me dit succès, lâchez prise. Donc c'est positif. Il y aura des compromis pour vous. Mais il y a du succès. Donc attendez, soyez patient des choses dans un an, on dit aussi. Il y a des choses qui arrivent, écoutez votre intuition. Ok, donc pour là,
Moi, c'est ah, pour toutes les personnes qui ont un problème de santé. J'ai mal à la poitrine là, tout de suite. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si ça vous concerne. Si c'est une personne qui regarde cette vidéo là maintenant tout de suite. Peut-être que vous avez quelque chose au niveau du chakra du cœur, quelque chose qui bloque ici ou par rapport à votre santé. En fait, j'allais dire pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, donc c'est peut-être lié. On me dit écoutez votre intuition. Il y aura des compromis à effectuer, d'accord? On me dit dans un an, demeurez positif et demandez de l'aide aux anges et aux autres pour vous aider. Ok, que va-t-il se passer pour eux? Est-ce que ce sera positif ou non? On me dit qu'il y a certaines personnes qui sont pas prêtes, je ne sais pas si ça vous parle, mais il faut y croire, continuer d'y croire. Parce que en croyant et en pardonnant, vous allez recevoir des signes, donc agissez. Il y aura réellement des occasions favorables. Choisissez une nouvelle direction parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être négatif, peut-être soit émotionnellement. Peut-être en dépression pour certaines personnes. On me dit vraiment ça dépend de vous. Donc agissez, communiquez clairement. Et en faisant tout cela, qu'est-ce qu'on me dit si vous faites tout cela? On me dit vraiment de vous affirmer. Il y aura de l'abondance pour vous si vous faites tout cela. De l'abondance, de l'abondance. Très bien. Alors, un conseil pour mes petits Verseaux, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? L'archange Uriel est présent là, tout de suite avec vous. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Pardonnez. Voilà. Pardonnez, je pense réellement que ça va vous aider si vous pardonnez. Hop, je continue avec celle-ci. Un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah. Ici, il est peut-être question d'un amour non réciproque pour certaines personnes et qu'il y a une certaine tromperie. Donc méfiez-vous, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer parce que peut-être qu'il y a de la tromperie, il y a quelqu'un qui ne dit pas tout, il y a quelqu'un qui cache des choses, peut-être qu'il est question ici de triangulaire. Donc affirmez-vous face à cela, écoutez vos ressentis et vos intuitions parce que très bientôt, on me dit qu'en décidant exactement ce que vous voulez afin que cela vous décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mes petits anges. Un message important pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo sur une évolution sentimentale au mois de novembre. On me dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, gardez confiance et faites un effort, car c'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc gardez confiance pour d'autres. Ça ne parlera pas à tout le monde. Après, même pour les personnes qui sont en triangulaire, peut-être qu'aujourd'hui il y a un amour non réciproque, peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous ou qui aimait cette personne ou qui envoie de l'amour, mais peut-être parce que du fait d'avoir une autre personne dans sa vie, des choses le bloquent. Il a peut-être peur d'avancer ou elle a peut-être peur d'avancer, de vous faire du mal. Enfin voilà, prenez le pour et le contre, essayez d'évaluer la situation et essayez d'avancer. Parce que là, on parle quand même d'un amour véritable pour vous les Verseaux. Évolution sentimentale pour les Verseaux, novembre 2019. Bon, on parle d'un homme ou d'une femme ici. Bon. Après, on me dit brune, mais bon, voilà. On me dit, vous connaissez déjà votre âme sœur, qu'il y a une espèce de dépendance affective et que vous allez vous revoir. Il y aura une rencontre pour d'autres par synchronicité. Peut-être que même avec la personne que vous connaissez déjà, votre âme sœur, peut-être que vous vous êtes rencontrés par synchronicité. Un exemple, vous racontez une histoire.
Dans cette histoire, vous expliquez que vous avez été ce jour-ci, par exemple le 21 novembre, vous avez été dans un magasin où justement vous avez, je sais pas, un exemple, non, je vais pas vous dire l'exemple, je vais pas dire de nom, parce que voilà, mais un exemple, vous racontez une histoire à une personne lors d'une soirée et vous dites. Oh là là, mais moi j'étais là, j'ai acheté ci, ça, ça, et là, mais non, c'est pas possible, et moi le 21 novembre, j'y étais aussi à cette heure-là en plus. Ça peut être une synchronicité. Vous voyez un peu, on dit en tout cas adieu la routine avec cette personne. Pour d'autres, on parle de personnes divorcées, ou peut-être qu'elle justement elle n'est pas divorcée, et qu'il y a une personne dans sa vie qui perturbe enfin, votre relation, vous et elle, ou vous ou lui. Et du coup, c'est une répétition de schéma. Demandez aux anges de vous aider à débloquer ceci. D'accord? En tout cas, vous allez vous revoir. On parle de beaucoup de télécommunications entre vous. Et on me redit encore une fois, adieu la routine. J'ai l'impression que pour certaines triangulaires, des choses vont bouger. Allez, une carte pour tous les triangulaires. Je ne sais pas pourquoi. Bah, écoutez, je vais sortir une carte. Aide d'une personne, c'est comme si vous aidiez une personne. Ouais. Alors j'ai un mal de dos peut-être concernant les personnes qui sont en triangulaire. Je ne sais pas si ça vous parle, ça me fait un point fort ici, donc ça doit être un message pour vous. Bref, un message général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être du mal à respirer. Ne vous précipitez pas. Parce que peut-être que du coup vous êtes bloqué. Bon, on dit pour certains Verseaux qu'il y a de la précipitation à cause de l'ego. Donc faites attention à vous, la fierté, l'orgueil, ce genre de choses. Donc réellement faites attention sur votre mission de vie. On me dit que vous êtes quelqu'un qui s'éveille, qui va être éclairé petit à petit. Et on me dit que vous allez apprendre beaucoup de choses. On parle de formation, d'apprentissage. Que vous êtes protégé, que vous êtes comme un soldat de lumière. Mais c'est peu importe les obstacles que vous aurez sur votre route, vous allez les dépasser. D'accord? Je vais faire celle-ci. Quelles sont les énergies que mes petits Verseaux ont besoin d'attirer à eux? Bah, vous avez besoin d'attirer la fête. Screenshotez, imprimez cette carte et en fait vous allez pouvoir la garder sur vous et attirer ces énergies. Donc l'enthousiasme, les bonnes rencontres et les bonnes énergies. Voilà. Hop, je continue. Allez, une carte concernant les vies antérieures. Ouais, on parle encore de soldats, donc. C'est comme si en fait vous avez eu des vies antérieures liées aux soldats, liées à tout ce qui est militaire, ce genre de choses, ça me parle beaucoup. On me dit que vous étiez une âme qui protégeait beaucoup, bon, qui protégeait énormément les gens. Voilà. Quels sont vos blocages aujourd'hui, mon ange? En fait, j'ai l'impression qu'ici, il y a une espèce de karma familial. Donc, il y a des choses à débloquer. Donc, c'est peut-être lié à tout ce qui est transgénérationnel, des choses que vous avez héritées par rapport à vos arrière-arrière-grands-parents, vos parents, etc. Et du coup, aujourd'hui, deux choses bloquent, la colère et le karma. Demandez à vos anges de couper ou de libérer tout lien karma. Tout lien concernant le karma familial vous concernant. Libérez-vous de cela. Merci, merci, merci. Je demande à mes anges de libérer tout ce qui est en lien avec le karma familial qu'il peut y avoir aujourd'hui dans ma famille. Merci, merci, merci. Maintenant et tout de suite. Concernant la colère, demandez à votre ange, mon ange, s'il te plaît, je te lègue toute ma colère et en échange, permets-moi d'aller mieux, de m'en sentir mieux dans ma vie, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Si vous souhaitez débloquer ces deux blocages, entre parenthèses, n'hésitez pas
à me demander les coordonnées d'une personne de confiance qui fait des soins énergétiques à distance et je vous l'enverrai par mail. D'accord, mes petits anges? En tout cas, vous protégez-vous. Là, cette pierre-là peut vous protéger, c'est une pyrite. Regardez sur Internet quels sont les soins, quels sont les effets que cette pierre peut vous apporter, vous aider. Et du coup, je pense qu'elle vous aidera beaucoup. Donc voilà, mes petits anges, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, je vous envoie énormément de positif, de bonheur et de bonnes choses dans votre vie. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, allez sous cette vidéo, vous trouverez mon adresse mail, ainsi qu'un lien PayPal si vous souhaitez faire évoluer ma chaîne, pour peut-être acheter de nouvelles cartes, ce genre de choses. Donc voilà, et je vous envoie plein de positifs, plein de bonnes énergies. Au revoir.